ça m'énerve. Mais là, qu'est-ce que c'est que cette musique pourrie là? Sans déconner. Faut vraiment être con pour applaudir là-dessus, je te jure. Bon, allez, vas-y, allume le micro, j'y vais. Hein? Bon. Évidemment, je sais très bien qu'on n'est pas à Mulhouse, hein. Je suis pas totalement inepte, mais j'ai toujours rêvé de rentrer sur scène et de crier « Bonsoir Mulhouse ». Voilà, c'est un kiff. Comme je sais que j'irai jamais jouer là-bas. Et heureusement d'ailleurs, hein. Aucune envie d'aller jouer à Mulhouse. D'ailleurs, globalement, personne n'a envie d'aller à Mulhouse tout court. Hein. Non, le seul avantage qu'on a avec cette ville, c'est qu'on peut se moquer allègrement de ses habitants sans risquer de prendre un procès. C'est quand même assez confort. Ça marche aussi avec Limoges et Châteauroux. Des trucs comme ça. Non, mais c'est vrai, mais ça marche pas avec tout le monde, parce que j'ai fait les frais, malheureusement, d'une vanne sur Vincent McDoom. Quelques mois de ça. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il le cherche un petit peu, ce garçon. Hein. C'est vrai que Vincent McDoom, pour nous, les humoristes, c'est du pain béni. C'est un petit peu comme un enfant cul de jade pour un pédophile. Hein. Oh, mais... oh, c'est gagné! Attends, mais tu fais mouche à chaque fois, bien sûr! Sauf qu'il faut savoir que Vincent appartient à trois communautés à la fois. Bah, les trois me sont tombés dessus le même jour. Les noirs, les homos et les trisos. BUM! Ouais, mais ça fait du courrier derrière. Hein. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai compris qu'en France, malheureusement, on ne pouvait plus rire de tout. Et non, on ne peut rire que de sa propre communauté. C'est hyper réducteur. Et là, je vous sens hyper dubitatif. Si je vous jure, vous dubitez à mort. Non, mais je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire. Parce qu'on appartient tous à une, voire même plusieurs communautés. On est bien d'accord? Prenez-moi par exemple, on va dire que j'appartiens à la communauté de ceux qui sont grands, plus ou moins blonds, avec les yeux bleus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas me moquer de tous les gens qui ne sont pas grands, blonds, avec les yeux bleus. Donc, je ne peux pas me moquer des moches. C'est bien dommage parce que c'est une mine d'or. Hein. Ouais, ouais. Ouais, il n'y a qu'à vous regarder. Ouais. Hey, problème de communauté. Autre exemple. Je ne peux pas me moquer des nains. Pour la bonne et simple raison que je n'ai pas de jardin. Problème de communauté. Je ne peux rien dire sur les Arabes. Ah non. Je suis fils unique. Oh, c'est pas vrai en plus, c'est pas vrai. J'ai une sœur. Mais elle fait ce qu'elle veut. Bon voilà, problème de communauté. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Bon, je vous parle même pas des handicapés. Moi, je peux pas faire de gags sur les paraplégiques, ce serait complètement déplacé. Ah, j'ai jamais su changer une roue. Je tiens d'ailleurs à vous signaler que cette vanne nous a gracieusement été offerte par l'association des paraplégiques de Montreuil qui nous rappelle que rien ne sert de courir. Non, je ne peux rien faire, j'ai les mains liées. Non, je vérifie toujours qu'il n'y en ait pas quand même. Non, je ne peux pas faire de gags sur les juifs. Surtout pas. Non, moi j'ai le droit d'allumer la lumière et de prendre l'ascenseur le vendredi soir. D'ailleurs, c'est quoi cette idée saugrenue d'interdire tout ce qui est électrique pour Shabbat? Ça a été inventé il y a plus de 3000 ans. Les mecs, à l'époque, ils étaient éclairés à la bougie. Enfin, quand je dis inventé, disons que ça devait certainement être un vieux barbu azimuté, plus chargé qu'un cycliste, tu vois, qui a dû se laisser convaincre un soir de pleine lune par un buisson qui parle, qui aurait éventuellement un type dans le ciel qui aimerait bien se reposer pépère le vendredi soir, donc il fallait éteindre les lumières. Oui, non. Pensez sincèrement que ce mec-là, il a déboulé un jour devant tout le monde et qu'il a dit « Bon, les gars, oui, parce qu'il était chorégraphe aussi. Et bon, hier soir, j'ai eu un message du Big Boss. Hein. A priori, les nouvelles règles. Voilà, c'est pas moi, c'est là-haut, hein, d'accord? A priori, à partir de maintenant, et ce, tous les vendredis soirs, on éteint tout. Hein, plus de télé, plus d'ordinateur, plus d'iPhone, rien. Ah, non, c'est pas les conneries. Ah, pourquoi il me l'a dit à moi? Ben pourquoi? Ben parce que moi, j'ai coupé la mer en deux, hein, tout simplement. Voilà. Il s'est dit, ça, c'est un gars sérieux, je peux y faire confiance. Hein, voilà, ah, oui, tiens, d'ailleurs, en parlant de couper, faudrait que je vous cause d'un truc au niveau du prépuce. Mais bon, on verra ça plus tard, hein. Une bonne nouvelle à la fois, les gars. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je ne me permettrai pas de me moquer, toujours à cause de ce problème de communauté. De la même manière, je ne me permettrai nullement de me moquer des catholiques. Ah oui, moi je mets des préservatifs quand je fais l'amour à une femme que je n'épouserai certainement jamais. Enfin, je me moquerai pas, mais on m'empêchera pas de penser que le catholique est mesquin quand même. Hein. Oh, c'est vrai,
on a connu le cateau. Non, pendant la messe, pour la communion, hein, le curé met l'eau à la bouche avec sa bouteille de pinard. Et au final, que dalle, hein, à peine une chips par personne. Si ça, c'est pas de la mesquinerie, hein, faut pas s'étonner aussi. C'est pour ça qu'après, tout le monde repart en faisant la gueule. Oui, oui, parce qu'en fait, mais c'est pas ça la communion. Mais non, mais attendez, mais si Jésus voyait ça, mais il s'arracherait des clous, c'est sûr. Attends, mais, et bien sûr, Jésus à l'époque, quand il a inventé la communion, parce que c'est lui qui l'a inventé, faut le savoir, hein, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Mais non, c'était un prétexte pour faire la teuf avec tous ses potes, les apôtres, bien sûr. Non, mais c'est historique ce que je vous dis là, attention. Hein. Ils organisaient des grands banquets avec des grandes tables comme ça. Bon, ils s'asseyaient tous du même côté. Pourquoi ? Pas très convivial, mais bon. Et ils pratiquaient la fameuse règle des 3 P. On connaît tous. Pain, pinard, pétard. Boum ! Ah si, si, ils fumaient des pétards. Hein. Il n'y a qu'à voir leur coupe de cheveux. Alors, je sais que ça peut surprendre. Enfin, il faut arrêter de croire une bonne fois pour toutes que Jésus était un mec qui se faisait chier à longueur de journée. Ah, c'est un putain de gros déconneur, le jazz. Hein. Ah si, si, je vous jure, tiens, sa blague préférée, on me l'a racontée. Elle est gratinée. C'est quand ils étaient tous complètement bourrés après le repas, tu sais, qui commençaient à chanter des chansons paillardes. En revenant de Nazareth, en revenant de Nazareth, de Nazareth à Montaigu, le digue, le digue. Ben, bref, on connaît la chanson. Et donc, quand ils étaient tous complètement ivres-morts après le repas, pour déconner entre eux, ils organisaient des courses de pirogues sur le lac. Et arrivé au milieu du lac, Jazz, il disait toujours « Bon, mais moi, les gars, je termine à pied !» Et ils les devaient tous, hein. Ouais. Ah, oh, ça les faisait marrer à l'époque, ils étaient comme ça, « Oh, t'es con, Jazz oh. !» Bon, ceci dit, attention, be careful. Parce que, ok, Jazz, c'est un mec rigolo qui savait s'amuser très bien. Il faut quand même pas perdre de vue que c'est un mec super intelligent. Ah oui, parce que pour mémoire, c'est quand même lui et lui seul qui a eu l'idée géniale de compter à l'endroit. Je vous rappelle quand même qu'avant Jésus-Christ, on comptait à l'envers. Hein. Moins 500, moins 499, moins 498, moins 497, moins 487. Eh ben lui, il s'est pas dégonflé. Il était allé voir les mecs qui comptaient à l'envers. Il s'est mis devant eux, comme ça, les mains sur son slip. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les gars? Hein? Non, mais c'est complètement débile. Hein? Quand t'es remonté jusqu'où, comme ça, là, c'est vachement plus simple dans l'autre sens. Oh, les baltringues! Hé, Madeleine! Écoute ça! Et depuis Jésus-Christ, on compte comme ça, 0, 1, 2, 3. Finalement, c'est un petit peu grâce à lui si aujourd'hui, on est en 2010. Je sais pas quand on serait, sinon, tu vois. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne me permettrai pas de me moquer, toujours à cause de ce problème de communauté. En revanche, il y a pas mal de gens qui peuvent se foutre de ma gueule parce qu'on est très nombreux à appartenir à la même communauté. Au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué, je suis quand même un gros con. Si, c'est agréable. Attention, je suis con, très bien, je suis français. Et cerise sur le gâteau, je suis parisien. Festival. Attends, mais moi, quand je suis au volant de ma voiture, que je vois que le feu passe au rouge et que ça bouchonne devant, eh ben j'avance quand même. Oh, si je peux bloquer un carrefour, attends, c'est génial. Oui, ce que j'aime bien faire aussi, c'est quand je suis arrêté à un feu rouge, enfin, quand je m'arrête, évidemment, hein, donc déjà je klaxonne, réflexe, bon. Toujours les roues avant, bien positionnées sur le passage piéton, très important, hein. J'aime bien regarder le feu comme ça, moi. C'est plus confort. Hein. Et donc ce que j'aime bien faire, c'est démarrer très 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 vite, dès que le feu passe au vert, pour être le premier à arriver à l'autre feu rouge. Champion du monde. Ah non, mais s'il y a autant de flics énervés sur les routes de contrôle radar et d'alcotest, mais c'est grâce à des mecs comme moi. Eh ouais. Puis quand t'es con, je veux dire, tu peux avoir un avis sur tout. Ouais. Ah, râler à loisir. Ça, c'est mon kiff, j'adore râler. Tout le temps. T'es plus fort que moi. Puis sur n'importe quel sujet. Tu me donnes un sujet, je râle. Hein. Les impôts. Le chômage. Les suppositoires. L'insécurité. Eh, tenez, voilà un vrai sujet de fond, les suppositoires. Ça me met en rogne, vous voyez. Non, mais c'est vrai, moi j'en ai un petit peu marre qu'à chaque fois que je vais voir mon médecin traitant, que je lui dis que j'ai le nez bouché et mal à la gorge, il veut systématiquement me prescrire des suppositoires à l'eucalyptus. On est bien d'accord, hein, les suppos, une fois qu'on est adulte hétéro et qu'on a le choix. On n'en met plus, hein. C'est... Vous trouvez ça normal, vous, se mettre un truc dans le cul pour dégager le nez et les bronches, c'est... Vous pensez sincèrement que le mec qui a monté le suppositoire, il s'est retrouvé un jour chez lui, comme ça?
avec le nez bouché, mal à la gorge. Et il s'est dit, tiens, et si je mettais un truc dans le cul? Non mais sérieux, sérieux, quand t'as des hémorroïdes, tu te mets du baume à lèvres, hein? Alors moi, je suis désolé, je suis un mec curieux, j'aimerais bien comprendre comment ça marche un suppositoire. Pas de panique. Vous ne risquez rien, c'est une reproduction. Hein? Ça n'existe pas, c'est pour le spectacle. Donc évidemment, ça en fait rêver certaines, mais ça n'existe pas. Alors, concrètement, comment ça marche? Bon alors, évidemment, d'abord, il faut le mettre, sinon ça ne marche pas. Donc, vous remarquerez que notre suppos, il a deux extrémités bien différentes, ok? Deux parties bien distinctes. Une partie plate, très bien, et une partie en forme d'ogive. Hein? On voit bien l'ogive, là, hein? Eh bien, figurez-vous que j'ai découvert un truc hallucinant. En lisant la notice, j'ai découvert qu'un suppositoire, ça s'introduisait non pas, comme on le pense tous, par la partie en forme d'ogive, mais à l'envers, par la partie plate. Ah, ça trouve le cul, hein ? Si, aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est comme ça que ça se met. Il y en a qui le savaient ? Oui. Le suppo a été inventé dans le 9e arrondissement, c'est ça ? Non, mais donc, bon, vous pouvez confirmer, évidemment. Hein. Donc ça, c'est la partie pédagogique du spectacle, hein, spectacle éducatif. Donc évidemment, je sais très bien qu'il y a des personnes qui ne me croient pas. Je sens comme un léger scepticisme relativement palpable. Donc s'il faut en passer par là pour vous convaincre, eh bien, soit, je vais donc vous faire une démonstration. Avec madame, voilà. Vous pouvez monter sur scène, enlever votre culotte, s'il vous plaît. On va faire ça rapidement. Alors, je plaisante, évidemment, hein. Je baisse les yeux comme ça, c'est marrant. Non, 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 on se connaît pas très très bien, et puis j'ai oublié mes gants. Non, non. Mais bon, maintenant que tout le monde sait comment ça se met, admettons, on l'a mis. Il y est, super, youpi. Mais après, comment il s'y prend le suppo pour venir dégager le nez et soigner le mal de gorge? Hein? Parce que c'est quand même pas la porte à côté. Hein, regardez. Hein, ça fait un bout de chemin. Alors, question, comment il fait pour dégager, le pauvre? Bon, je vous rappelle quand même que là où il est, il y voit rien. Et en plus, comme on l'a mis à l'envers, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup, notre pauvre suppo, il est obligé de se déplacer à reculons. Vachement plus dur, hein. Et carrément à contresens. Hein. Oui, parce que je vous rappelle quand même qu'il y a du monde qui descend. Hein. Oh, mais il n'est pas tout seul sur la route. Hein. Alors, vous croyez sincèrement qu'il remonte comme ça, là, tranquillement, tu vois, en moonwalk, qu'il dit bonjour à tout le monde. Salut, je suis le suppo. Ah, je vais dégager plus haut. Eh ben, c'est comme ça. Non. Alors, moi, je suis désolé, mais moi, autant que je me souvienne, le suppo, il fait pas ça du tout. Moi, personnellement, il a plutôt tendance à rester juste au bord. Alors, limite. Limite, il n'est pas bien. Il veut ressortir. Mais toi, tu veux pas. Donc, t'es contracté. Et là, comme par hasard, alors, je sais pas si c'est effervescent ou quoi, mais t'as toujours envie de péter. Puis tu fais automatiquement, au bout d'un moment, bon, ben, tu pètes. Hein. Et aussitôt après, ça sent l'eucalyptus, dis donc. Et ça dégage! Et oui, en fait, vous voyez, c'est ça le secret du suppo. Il remonte pas, et non, il diffuse! Je sais pas si vous réalisez ce qu'on vient de découvrir ce soir. Non, mais c'est extraordinaire, quand même, toutes ces années dans l'ignorance. Mais pourquoi les mecs, ils sont arrêtés là? C'est vrai! Parce que ce qui serait vraiment génial, c'est si on allait plus loin. Ben oui, réfléchissez, c'est carrément si on inventait des suppositoires avec des parfums différents. Vous imaginez, il n'y aurait plus jamais aucun problème dans les ascenseurs? On n'est jamais l'ascenseur ou quoi? C'est systématique, hein. Une fois les portes hermétiquement fermées, il y a toujours une personne qui laisse échapper une discrète flatulence. Mais là, automatiquement, les gens, ils seraient cool, tu vois, détendus, ils seraient là, comme ça. C'est vous? Non, ne me dites rien, je vais trouver, ne me dites rien. Chut, s'il vous plaît. Fruits des bois, c'est ça? Écoutez, j'adore, c'est mon préféré. Eh, hey, sentez-moi celui-là, vous m'en direz des nouvelles. Oh, autant pour moi, j'ai oublié de le mettre. C'est idiot. Les gens communiqueraient comme ça, tu vois.
Mais ce qui serait encore plus génial, soyons fous ce soir, c'est si on allait encore plus loin. Ouais, c'est carrément si on inventait des suppositoires qui non seulement te débouchent le nez et les bronches, mais qui en plus te donnent la laine fraîche le matin au réveil. Pas des suppos ou autre chose, parce qu'il faut quand même bien admettre que c'est extrêmement gênant de se réveiller tous les matins en ayant une haleine de poney décédée depuis 8 ans. C'est vrai, et puis personne n'y échappe. Ah ouais, non ? Ah ouais, c'est une tradition héritée de nos ancêtres. Tu te réveilles le matin, tu sens mauvais dans la bouche. C'est comme ça. Et il y en a même, c'est marrant, on a l'impression qu'ils se réveillent à longueur de journée, tu sais. Tu fais combien de siestes par jour, toi, dis donc ? Mais je sais pas, on pourrait inventer un truc, c'est vrai, on est en 2010. Hein ? On a bien inventé, vous savez, pour les toilettes, sur les cuvettes, là, les carrés désodorisants qu'on accroche sur le rebord pour que ça sente bon. Moi, je propose, hein, la même chose. En plus petit, évidemment, des mini-carrés comme ça, qu'on accrocherait sur la commissure. Hein, comme ça, ça diffuserait toute la nuit, senteur des pins, lavande, au choix. Et comme ça, le matin, quand on se réveillerait, on n'aurait plus d'haleine de bouc. On aurait une haleine de chiotte. Ouais, effectivement, c'est pas génial comme invention. Ceci dit, je suis pas le seul à inventer des trucs débiles. Hein. T'as, par exemple, un truc qui me rend dingue, moi. La lampe halogène. Hein, on en a tous une à la maison. On est bien d'accord, c'est quand même pas très malin. Hein, d'avoir inventé un interrupteur qu'on actionne avec le pied. Sans déconner, le truc en plus on le met jamais au milieu de la pièce, on le met toujours dans un coin, là où tu peux pas le choper, donc on est comme ça, on est là, comme ça. Donc finalement, comment on l'allume ? Avec la main. Et là t'es bien, t'es content, t'es plié, tu prends moins de place. Pourquoi on fait pas pour le coup comme aux États-Unis ? Là ils ont été plus malins, ils ont inventé une molette qu'on actionne avec la main. Et là où ils ont été très forts les mecs, c'est qu'ils l'ont mise là. Ah, ils auraient pu la mettre là. Non, ils l'ont mise là, les mecs, et ouais. Bon, le problème, c'est que les Américains sont tellement cons qu'ils y vont avec le pied. Bon, ça, c'est les regards. Hein. Mais bon, je pense quand même que la palme d'or de l'invention la plus pourrie revient, mais ça n'engage que moi, au scooter à trois roues. Alors, bon, est-ce qu'il y en a dans cette salle qui a un scooter à trois roues? Il y en a un qui a dit oui, comme ça? Non, ils vont pas se dénoncer, ils ont honte, je veux dire. Alors je sais, il paraît que c'est formidable, que c'est extraordinaire, que c'est une véritable révolution dans le monde du deux-roues. Évidemment, il y en a trois. Mais c'est quoi ça, en fait, comme invention? C'est pour les mecs qui débutent, c'est ça? Ah, c'est le mec, il a jamais su faire de vélo, mais il veut faire du scooter. Alors on lui rajoute une troisième roue à l'avant, histoire de stabiliser le machin, puis après, qu'est-ce qui se passe? Ah, au bout de 6 mois, on invite toute la famille, on enlève une roue, on regarde s'il tient tout seul. Ouais, génial, ouais. Attendez. En plus, il y avait déjà, vous savez, depuis une bonne quinzaine d'années, les scooters avec un toit comme ça et une ceinture de sécurité. Vous les voyez, ceux-là? Arrêtez-moi si je me trompe, mais petit à petit, il n'y aurait pas un mec qui serait en train de réinventer la voiture? Puis j'aimerais bien savoir combien ça coûte à l'assurance. Parce que moi, je vois, j'ai un scooter. Bon, scooter à deux roues, hein, je sais faire de la bicyclette. Et je paye une fortune pour être assuré uniquement au tiers. Hein, ça veut dire qu'il faut obligatoirement qu'il y ait une tierce personne qui soit impliquée dans l'accident, sinon j'ai droit à rien, je l'ai dans l'os. Bon, du coup, moi, à chaque fois que je sens que je vais me casser la gueule, j'essaie de viser quelqu'un. Aïe, non, bah attention, j'essaie de viser les vieilles personnes. Oui, ah, c'est moi côté à l'Argus. Bah, ça coûte moins cher à mon assurance, tout simplement. Hein. C'est aussi ça, être assureur militant. Ah, je te jure, scooter à trois roues, n'importe quoi. Ça, c'est quand même une invention, vous voyez. Genre d'invention, c'est uniquement pour les mecs qui veulent se la péter. Hein, faire un entraîneur, comme ça, c'est un petit peu comme les filles qui font des UV, en fait. Au printemps, avant d'aller à la plage. En fait, quand on réfléchit, les filles, c'est complètement débile de bronzer avant d'aller à la plage, puisque tu vas à la plage justement pour bronzer. Après, t'as plus rien à faire. Hey, c'est un petit peu comme si vous vous épiliez avant d'aller chez l'esthéticienne. Ou si vous étiez belle avant de vous maquiller. Je veux dire, ça n'a pas de sens, tu vois. C'est... Et je vous parle même pas de celle qui se passe de l'auto-bronzant. Ça, c'est une belle invention, l'auto-bronzant. Il y en a qui ont déjà essayé? Oui. Je l'ai senti, de toute façon. Parce que c'est ça qui est génial avec l'auto-bronzant, c'est un, l'odeur. C'est vrai. Ça rappelle quand même vaguement une station d'épuration au milieu d'un champ de violettes fanées, hein, pour être honnête. Deux, bon, ben, y a celle qui se l'étale à la truelle de façon artisanale. Hein. Là, là. Alors, on voit bien les marques de bronzage. Alors, bon, c'est marrant, ça fait des dessins, ça amuse les gosses, hein, tu vois. C'est... Et trois, ce qui est génial avec l'auto-bronzant, c'est la couleur. C'est quelle couleur? Orange. Dis donc, t'es vachement bronzé quand t'es orange, hein, non, Bon, en même temps, vous allez me dire, orange, avec la cellulite. Alors là, je sais très très bien ce que vous êtes en train de vous dire, mesdames. Vous êtes en train de vous dire, « Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce mec ? Ouais, mais pour qui il se prend ? Ouais, on est énervé, ouh !»
comme ça. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, à chaque fois qu'on raconte à une personne ce qu'une tierce personne nous a dit, on commence toujours les phrases par « Ouais !» Des fois, on fait « Oui !» Je fais « Je sais pas ce qu'il me dit. » Il me dit « Ouais, alors comme ça, t'as acheté un scooter à trois roues !» Il y a personne qui parle comme ça dans la vraie vie. Non, mais c'est vrai, quand tu vas chez ton boulanger le matin, tu lui dis pas « Ouais, bonjour, j'ai une baguette !» C'est quoi ce frater, là? Alors, ce qui est encore plus drôle, c'est que vous, mesdames, vous finissez très souvent vos phrases par « nanana ». Ou « nanani nanana », ça dépend des régions. Ce qui donne lieu à des discussions un petit peu particulières, du style « Je sais pas ce qu'il me dit ». Il me dit « Ouais, alors comme ça, nanana ». Alors, moi, je lui dis « Ouais, mais attends, nanana ». Et là, il me répond « Ouais, mais tu dis comme ça, nanana ». Et là où c'est encore plus fort, c'est que sa copine conclut en faisant « Oh, le salaud !» Tu sais pas. Non, mais c'est marrant. Un truc qui est très, très féminin et très à la mode, que j'aime beaucoup en ce moment, ce sont les fameux « guillemets ». Ça, c'est génial. Hein. Alors attention, il y a des feignants qui font ça. Non. Le guillemet, c'est ça. Et avec ça, c'est génial parce que tu peux tout dire sans rien dire. Exemple. Tu sais, ce soir, je dîne avec Kevin. En copain. Attends, tu dînes avec Kevin en copain ou en copain? On a compris. Tiens, hier soir, j'ai vu Christophe. Attends, t'as vu Christophe ou t'as vu Christophe? Alors, faut savoir évidemment, mesdames, que ça marche beaucoup moins bien au téléphone. Hein, c'est Non, mais je vous taquine, mesdames, mais c'est parce que je vous aime beaucoup. C'est vrai. En plus, je sais très bien que vous avez beaucoup d'autodérision. Vraiment. Jamais premier degré quand il s'agit de faire des vannes sur votre âge ou votre physique. Et très sincèrement, mesdames, sans démagogie aucune, je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux, je trouve que vous avez des milliards de qualités. Bon, évidemment, vous avez un défaut. Enfin, deux pour celles qui ont les petits seins. Bon, je plaisante, évidemment, l'essentiel étant quand même d'en avoir deux. Hein. De taille identique de préférence, c'est plus sympa. Non, vous avez un défaut, mesdames, et ça, on ne vous l'enlèvera pas, c'est que vous êtes bavarde. C'est vrai. Non. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que malgré toute la somme de choses que vous pouvez dire en une vie, bizarrement, il y a des phrases qu'on n'a jamais entendues et qu'on n'entendra certainement jamais sortir de la bouche d'une femme. Alors évidemment, il y en a des tas. Moi, j'en ai trouvé quatre. Je peux me tromper. Attention. Moi, personnellement, j'ai jamais entendu une femme dire « Waouh, mais c'est génial, j'ai encore grossi, chouette !» Mais je peux me tromper. De toute façon, moi je dis les filles qui se trouvent trop grosses, elles n'ont qu'à faire du sport, si elles n'ont pas la discipline de se faire vomir après chaque repas. Aïe. Jamais entendu une femme dire « Pardon ? Un enfant ? Tu sais, j'ai le temps d'y penser, je n'ai que 38 ans !» Aïe, j'imagine très mal une femme dire « Bah, enfin voyons, je vais pas aller faire les magasins, j'ai déjà trop de trucs à me mettre !» Enfin, ce que ne dira jamais une femme qui porte une burqa. Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît, me plaît. Devinez, devinez, devinez qui je suis. Évidemment, vous allez me dire « Ouais, t'es gentil mon garçon, tu tapes beaucoup sur les filles, pas assez sur les mecs. » C'est vrai. Donc, parité oblige, j'ai également trouvé quatre phrases qui, à mon sens, ne sortiront jamais de la bouche de l'homme. Pareil, je peux me tromper. Hein. Moi, personnellement, j'ai jamais entendu un mec dire « Non, non, j'ai pas envie de sortir avec mes potes samedi soir. Je préfère aller voir un film avec Hugh Grant au cinéma avec toi. » Pareil, j'ai jamais entendu un mec dire « Tu sais, ma chérie, ça fait deux jours que j'ai pas eu ta mère au téléphone, elle me manque. » J'imagine très mal un mec dire, sur aucune planète, d'aucune galaxie d'ailleurs, dire « Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas une pipe que je veux, c'est de la tendresse !» Enfin, une dernière phrase, qui à mon sens, ne sera jamais de la bouche d'un homme.
Excuse-moi, ma chérie, si je m'endors, mais je me sens tellement en sécurité quand c'est toi qui conduis. Mais bon, je peux me tromper. Mais bon, ceci dit, vous savez, mesdames, vous êtes bavardes, mais moi, quelque part, ça me dérange pas du tout. Hein. C'est vrai, je trouve ça mignon. C'est vrai, c'est mignon. Mais ce qui est vraiment très fort, c'est que vous vous arrêtez jamais, en fait. Ouais, ouais, même chez vous. Toute seule. Sur Facebook. Alors ça, c'est génial, Facebook. Hein. Voilà, j'adore ça. Et vas-y, que j'écris tout ce qui m'arrive sur mon mur pour que tout le monde soit bien au courant de ce que je fais. Alors... Aujourd'hui, j'ai pas osé annoncer à mon copain que je l'avais trompé avec son frère. Non, et là, vous êtes vraiment très très fortes, mesdames, c'est pour créer des groupes hallucinants. Vous savez, sur Facebook, on peut créer des groupes par affinité. Et là, j'en ai sélectionné quelques-uns. Un que j'aime beaucoup, très très féminin. Elles sont plus de 2500 dedans, attention. C'est le groupe contre les connards qui donnent pas de nouvelles le lendemain. Ben oui, mais les filles... Le lendemain, les mecs, ils ont des saoulés. Un autre aussi très très féminin que j'aime bien, elles sont un petit peu moins nombreuses dedans, c'est le groupe « Je vais sur le Facebook de mon ex, juste comme ça, pour voir si ça va. » Ben ouais, ça va super. Lui, il s'est recasé avec une autre et il s'éclate à mort. Parce qu'elle lui fait des trucs que t'as jamais voulu essayer. Sous prétexte que ça fait mal. Alors que tu t'épiles à la cire. Ah bon. Alors ça, évidemment, c'est des groupes hallucinants. Après, il y a des groupes absurdes. Par exemple, sur Facebook, si vous surfez, vous pourrez tomber sur le groupe de ceux qui sont contre les groupes. C'est-à-dire que plus haut, t'as l'infini, après. C'est ce qu'on appelle un oxymore. Alors, un oxymore, c'est pas un vieux magicien qui fait « Hihi, les touris d'araté », hein, ça n'a rien à voir. Hein, évidemment, il y en a des tas, il y en a des tas, des groupes. Et un que j'aime beaucoup, qui pour moi est le top du top des groupes absurdes, mais je vous jure, c'est un vrai groupe, je peux pas inventer un truc pareil, c'est le groupe « J'ai pété la gueule à un mime au Festival d'Avignon ». Alors, ça, certainement un groupe de mecs, j'imagine, mais au-delà du fait que j'ai du mal à comprendre la démarche intellectuelle de ce groupe, ça doit quand même être assez bizarre d'avoiner un mime. Non mais c'est vrai, t'imagines le mec il est dans les rues d'Avignon comme ça, peinard. Là, il doit arriver comme ça. Bon, il comprend tout de suite qu'il va s'en manger une. Hein. Non. Donc qu'est-ce qu'il fait le mime? Bah, j'imagine qu'il doit mimer de se sauver en courant, tu sais. Toi t'es là derrière comme ça. Faites mon con, quoi, lui, hein. Donc, il court, au bout d'un quart d'heure, voyons qu'il n'arrive pas à se lever, qu'est-ce qu'il fait, le mime? Ben, il se cache, hein, dans un placard imaginaire, croyant ne pas être vu. Donc, toi, évidemment, au bout d'un moment, t'en as marre, hein, c'est normal, t'as assez joué, donc, hop, tu le chopes, tu lui mets deux beignes, puis j'imagine qu'il va finir en te regardant comme ça. Non, c'est spécial, je comprends pas qu'on veuille s'en prendre à un mime. C'est vrai? Ah, les roux, ça, ok. Bon. Ah, je trouve ça bizarre, les rouquins, j'aime pas ça. Mais. Les mimes, je veux dire, ils gênent personne, c'est vrai, tu les poses n'importe où, même au milieu du désert, ils s'inventent un monde à eux. C'est génial pour ça, les mimes. Ça construit des murs, ça ouvre des portes, ça s'assoit sur des chaises, ça boit des cafés, comme ça, c'est génial. Oh, puis le gros avantage du mime, c'est que, un, déjà, il coûte pas cher en mobilier, hein, bien. Deux, il parle pas, donc ça lui évite de dire des conneries. Et trois, de faire des fautes de français. Parce qu'il faut quand même bien admettre qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup de mal à s'exprimer correctement. Alors c'est vrai, moi je connais un mec, rien qu'en parlant, il arrive à faire des fautes d'orthographe. Hein. Hein, c'est... Pourtant, c'est pas toujours de leur faute. Hein. Je vois, j'ai une copine, elle est dyslexique. Vous savez, c'est les gens qui mélangent toutes les syllabes. Bon, déjà, on est bien d'accord, hein. Ce mot est une véritable blague pour tous les gens qui souffrent réellement de dyslexie. Hein, c'est quoi ta maladie? Moi, je suis xylédique. Non, il défixe, non plus, hein, merde. Tu passes pour un con, tu vois. Bon, bref, j'ai une copine, disais-je, qui est dyslexique, mais elle, carrément, avec des mots. Le problème, c'est que ce sont des mots qui n'ont rien à voir entre eux. Pour vous donner une idée, elle confond toujours les mots clafoutis et sodomie. Ça n'a rien à voir, on est bien d'accord, hein. Enfin, je pense. Et vous imaginez
La situation lors du repas de présentation aux parents de son copain, sa future belle-maman qui a préparé sa spécialité. C'est la seule au monde à faire une chose pareille. Le fameux clafoutis aux olives. Alors Géraldine, vous aimez? Oh écoutez, j'adore. Mais comment savez-vous que je raffolais de la sodomie? C'est Benoît qui vous l'a dit, c'est ça, hein? Vous savez, je suis à deux doigts d'en reprendre, mais je ne voudrais surtout pas passer pour quelqu'un de grossier. Ça fait désordre. Mais à l'inverse, ça peut dérouter son compagnon. En plein ébat, adepte de cette pratique, choque comme une baraque à frites, elle crie à son étalon, « Oh, tu m'excites, oh, ça y est, c'est bon. Oh, ça bon, je suis chaude, vas-y, c'est maintenant. Fais-moi un clafoutis. » Pardon? Mais tu préfères pas que je t'encule plutôt? Alors attention, je vous sens un petit peu waouh, mais vous savez, dit poliment, ça passe toujours. Hein. Ah si, si, la politesse permet de faire passer pas mal de choses. Hein, je le sais, c'est un truc que je pratique énormément. Alors, la politesse, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, j'espère rester poli aussi longtemps que possible. Ouais, même le jour où je serai devenu une star et que j'aurai pris la grosse tête. Bon, en même temps, je dis ça, il y a quand même peu de chance pour que ça arrive. Hein. Que je sois une star, pas que je prenne la grosse tête, oh, ça c'est déjà fait. Oh, oui, non, moi maintenant, quand j'achète un truc, que je fais un chèque, je signe même plus, hein, je marque amitié, bisous. C'est pour avoir le... Non, mais, vous savez, je dis ça en plaisantant, mais sincèrement, j'ai pleinement conscience qu'il manque le petit quelque chose pour réussir et devenir célèbre. Vous savez, hein. Et je sais très bien ce qui va manquer dans ma réussite. Oui, c'est ce que je dis toujours à mon psy. C'est de n'avoir rien de dramatique à raconter sur mon enfance. Eh ouais. Et parce que, si on regarde bien, docteur, toutes les stars, bon, elles ont toutes vécu des choses horribles. Or que moi, non. Rien. Que dalle. Hein? Non, j'ai eu une enfance normale. J'ai même eu, n'ayant pas peur des mots, une enfance heureuse. J'ai été élevé dans la joie. La simplicité. J'ai pas eu droit à une vie de merde! C'est dingue ça, c'est bien la France. Or qu'il y en a certains qui ont vraiment une vie de merde et qui aimeraient en avoir une autre, toi tu rêves que de ça, mais l'autre t'as pas le droit. Oh. Égalité des chances, mon cul! Non mais moi j'ai rien à raconter aux médias pour que les gens plaignent comme Loana ou trouvent que j'ai du mérite d'être une star comme Amy Winehouse. Moi j'adorerais leur raconter que. Que j'ai eu ma première relation sexuelle à l'âge de 7 ans avec mon oncle, son club de foot, que mes parents me battaient avec des tessons de bouteille et se servaient de ma bouche comme cendrier. Non, rien de tout ça, non. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Et je vous jure, j'ai tout fait pour que mes parents me violent et me maltraitent. Ils n'ont jamais voulu. Une fois, je me suis enfermé dans le congélateur, je me suis fait engueuler, c'est tout ce que j'ai gagné, alors... Ça fout pas mal que je réussisse. Égoïste. Mais bon, j'ai quand même réussi à... faire en sorte qu'ils se séparent. Bon, j'ai fait... Bon, ça n'a pas été très facile, mais disons que... après plein de lettres d'amants fictifs, des capotes, remplies par mes soins, oui, et déposées à des endroits stratégiques, j'ai enfin réussi à les pousser au divorce, ouais. Bon, j'avais 20 ans. Du coup, c'est trop tard. Non, mais je veux dire, je suis plus un enfant traumatisé, ça sert plus à rien, quoi. C'est dommage. C'est la première rupture à laquelle j'assistais, et même là, ça s'est bien passé. Ils sont restés copains. Ça fout les boules, hein. Ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas, d'ailleurs. Hein. Enfin, j'imagine que dans cette salle, tout le monde a déjà essuyé au moins une rupture dans sa vie. Si c'est pas le cas, ça va venir, les gars, stressez pas, hein. Ah oui, non, c'est fini, la belle époque où on vivait toute sa vie avec les mêmes personnes, hein. Maintenant, c'est génération zapping, il faut s'y faire. C'est comme ça, c'est... D'ailleurs, je me permets de donner un conseil. S'il y a des couples heureux ce soir et épanouis, essayez de vous quitter quand vous êtes au top. Ah, n'attendez pas que ça se dégrade, ça sert à rien. Vous organisez, vous êtes heureux avec votre conjoint, vous organisez un petit week-end à Venise en amoureux, dîner aux chandelles, champagne, comme ça, vous regardez droit dans les yeux, vous dites, mon amour, on n'aura pas mieux, au revoir. Et tu pars, t'es là, tu vois. Tu gardes que les bons souvenirs et tu peux recommencer l'histoire, parce que on est bien d'accord, je veux dire... La rupture, c'est quand même un concept assez douloureux. Enfin, surtout quand tu te fais larguer, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est arrivé à certains ici. Moi, ça m'est arrivé, c'est marrant parce que quand j'ai écrit ce sketch, j'étais encore en couple. Et
toujours un peu un moment difficile. Non, parce qu'en fait, je me suis fait larguer comme une pauvre merde. Hein. Bon, ça arrive des fois, et c'est vrai que je ne m'y attendais pas. Et je suis tombé super bas. Vraiment, là, je fanfaronne depuis le début, je fais le malin et tout ça, mais franchement, j'en ai pas large, il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que suite à cette rupture, 14 tentatives de suicide quand même, ce qui fait que c'est. Bon, c'est pas des conneries, c'est pas des conneries. Bon, en même temps, peut-on réellement parler de tentative de suicide dans la mesure où c'est quand même moi qui essayais de mettre fin à ces jours, je sais pas, mais. Enfin, Dieu merci, c'est pas toujours moi qui me suis fait larguer. Non, non. Je me souviens d'ailleurs, ma première vraie rupture, elle s'appelait Karine. Aïe, Karine ? C'est bon ? C'est fini, là ? Bon, ben, mouche-toi, alors. Non, mais t'as un gros Mickey, là ? Je sens que ça me fait marrer, je te jure, Karine, c'est pas le moment. Hein. C'est... Non, puis arrête de pleurer, sérieux. Si j'avais su que tu prendrais aussi mal, je t'aurais envoyé un texto. Mais non, mais non, mais enfin, Karine, on a discuté, ça crève les yeux. Notre rupture est une bonne chose, hein ? Comment ça, t'es pas d'accord ? Ah oui, mais on n'est pas obligé que tu sois d'accord, Karine. Non, là, tu confonds avec l'amour, c'est pas pareil. Non, mais arrête, sans déconner, mais tu me mets pas dans un état pareil, tu me fais de la peine. Mais non, mais regarde-toi, mais t'es une fille formidable, t'es bourrée de qualité, je ne te mérite pas. C'est même normal de te laisser partir. Excuse-moi, tu me fais pleurer, t'es con. Promets-moi simplement une chose, Karine. Que nous resterons bons amis. Je le veux sincèrement. Et tu sais, Karine... Excuse-moi. L'amour, c'est comme une balle perdue. Ça se loge toujours dans le cœur des innocents. C'est joli, hein ? C'est moi qui l'ai inventé comme l'occasion s'y prête. Non, mais arrête, sans déconner, Karine, mais non, mais n'est pas dans un état pareil, mais je t'ai déjà expliqué, je n'ai rien contre toi, simplement, il arrive qu'à un moment donné, dans un couple, il y en a un qui souffre et un qui se fasse chier. Toi, manifestement, Karine, tu souffres. Ah ouais, puis écoute, au lieu de se déchirer, gardons plutôt les bons souvenirs qui nous restent, hein ? Comme quand on a fait l'amour dans le sable toute la nuit. Moi, je te mettais des coquillages dans les cheveux. C'était pas évident d'en trouver sur un chantier, en plus, hein ? C'était pas avec toi ? Bah, à la Côte Boulevard ? Ah bon ? Ah bon, tant pour moi, alors. En tout cas, ça reste quand même un de mes meilleurs souvenirs. Et tu vois, Karine, c'est bien la preuve. Tous mes bons souvenirs, j'ai l'impression que c'est avec toi que je les ai partagés. Ça s'invente pas, ça, quand même. Hein, pardon ? Tu veux mourir pour que je vois à quel point tu m'aimes ? D'accord, Karine. Enfin, à ce moment-là, me préviens pas avant, sinon il n'y a plus la surprise. Hein ? De toute façon, c'est tout le temps la même chose avec toi. Tu promets les trucs, on a confiance, et puis rien que chic, nada. Hein ? Et toi, tu es un petit peu déçu quand même. Tant, Karine, soyons sérieux deux minutes. Ça va quand même faire la sixième tentative de suicide en moins d'un an que tu nous fais. Je pense sincèrement que tu as assez d'expérience maintenant. Hein ? T'as eu assez de temps pour améliorer l'efficacité et peaufiner les techniques. C'est vrai, quoi, t'es pas plus con qu'un employé France Télécom. Bon, alors moi, personnellement, comme t'es une fille, je te conseillerais plutôt l'alcool et les somnifères. Ouais, mais c'est moins salissant, tout simplement. Ah oui, et surtout, un petit conseil, pense bien à prendre les cachets avant de boire, parce que toi, je te connais, une fois que t'as trop bu, pop, pop, t'es capable d'oublier, puis après, ça sert à rien, hein, tu gâches tout. Ouais, c'est... Non, arrête, Karine, c'est chiant, tiens-toi, merde, un petit peu de dignité ou de retenue, je sais pas, moi. Est-ce que j'exprime ma joie, moi ? Hein ? Non, bon, alors, hein, un petit peu de modération, s'il te plaît, hein, restons adultes. Et puis écoute, je suis désolé, je vais pas pouvoir parler très longtemps parce que j'ai rendez-vous et je voudrais surtout pas être en retard. Voilà, hein, je suis désolé, pardon. Où j'ai rendez-vous ? Ben ici, justement, à la maison, donc si tu pouvais y aller comme ça, je serais pas à la bourre, hein. Voilà, au revoir, Karine. Non, Karine, chut, s'il te plaît, ne dis rien. Ne gaspille pas les mots. Pense aux petits muets qui n'en ont pas. Bye bye, ciao. On était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer. Et donc j'ai raconté cette fameuse rupture à ma mère, et elle m'a dit: ouais, mais en fait t'es vraiment un gros con, quand je pense qu'on t'a élevé dans le respect, nanana, t'aurais peut-être préféré te maltraiter. Eh ben ouais, en fait, et comme ça je serais devenu une star et je serais pas obligé de jouer au Trévis, hein. C'est ce jour-là que j'ai réalisé que la France était devenue un pays trop petit pour moi et ma connerie. Et je me suis dit, écoute Yannick, quitte à vivre avec des cons, autant y aller à fond. Et si j'allais au Texas ? C'est vrai que c'est quand même eux qui ont inventé George Bush, J.R. Ewing et Texas Rangers. Hein, je veux dire, bon, bah, c'est le haut du panier. Donc moi, hop,
je fais mes valises, ni une ni deux, je pars en direction de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour sauter dans le premier avion pour Dallas. Ah oui, tiens, d'ailleurs, petite parenthèse, pour me rendre à l'aéroport, j'ai pris le métro. Donc là, il m'est arrivé une anecdote assez croustillante, faut que je vous raconte. Donc j'étais avec toutes mes affaires comme ça dans le métro, donc j'étais comme ça, oh, je suis chargé. J'aime bien aimer le mec chargé, ça sert à rien, mais j'aime bien. Bon, voilà, déjà comme ça. Et derrière moi, donc il y a deux mecs qui montent, deux mecs qui étaient complètement bourrés. Alors, pas méchants, pas agressifs, bien bourrés, les mecs. Et là, j'entends le premier qui dit à l'autre le nom de la station à laquelle ils doivent descendre. Moi qui maîtrise le métro, je percute tout de suite. Je me dis, tiens, c'est marrant ça. Ils sont sur la bonne ligne. Pas du tout dans la bonne direction. Donc, moi, évidemment, bon citoyen que je suis, hein, je dis rien. Je savoure, attends, s'il y a moyen de rigoler un petit peu en passe privée quand même, tu vois. Et là, je vois le plus aguerri des deux qui se met sous la porte et qui commence à compter le nombre de stations qui leur restent. Et là, comme ça, il fait, c'est bon, j'ai que 3 stations. Et il s'assoit, comme ça, enfin, il se répand lamentablement sur le siège. Donc le métro démarre, moi je suis en face, comme ça, avec toutes mes affaires. Donc station d'après, le métro s'arrête, et là je vois le mec qui commence à transpirer, il regarde le nom de la station à laquelle ils sont, le plan au-dessus de la porte, il fait à son pote, eh, c'est bon, parce que 15 stations. Donc là, à ce moment-là, je commence à jubiler. Hein, je me dis, oh, je suis tombé sur des champions. Presque à me faire regretter de quitter Paris, tu vois. Station d'après, ils me refont la même, je vous jure, c'est vrai, c'est bon, parce que 5 stations. Donc là, moi, à ce moment-là, inutile de vous dire, je voulais plus descendre du métro. Hein. Mais moi, j'étais prêt à les suivre au bout du monde. Je voulais savoir jusqu'où ils étaient capables d'aller, ces mecs-là, tu vois. Bon, malheureusement pour moi, heureusement pour eux, je sais pas ce qui se passe. À un moment donné, ils percutent. Ils allument des lumières, comme ça. Donc, ils se lèvent d'un bond. Hein, comme ça. Ils jouent comme ça, ils restent sous la porte. Ils regardent une dernière fois le nom de la station à laquelle ils sont. Le plan au-dessus de la porte. Et en même temps, je vous jure, c'est vrai, ils font « Oh putain, ils reculent !» Je vous jure, c'est vrai. Ah ben, ça s'invente pas un truc pareil, tu vois. Ça arrive une fois dans ta vie. C'est dingue, ça. Mais ce qui est vraiment extraordinaire avec cette anecdote, c'est que ces mecs-là, ils ont vécu un grand moment de solitude. On est bien d'accord. Mais ils en ont fait profiter tout le monde. Et oui, parce que quand ça t'arrive à toi de te tromper de direction dans le métro, ça peut arriver, moi, ça m'est déjà arrivé. Bon, quand tu t'en rends compte... Tu le gardes pour toi. Tu la joues discret. Tu descends, bon, limite, t'en rajoutes un petit peu. C'est exactement ici que je voulais descendre. Pourquoi, ça pose un problème à quelqu'un? Tu sais, t'attends que tout le monde s'en aille et tu changes de quai discrètement. Tu vois, là, t'es là comme ça. C'est marrant d'ailleurs ce rapport qu'ont certaines personnes avec le regard d'autrui. C'est dingue, il y a des gens, quand ils se trompent dans la rue, ils peuvent pas changer de direction naturellement, sans se trouver une excuse bidon. C'est vrai, on a le droit. Tu te trompes, t'as le droit. Tu marches comme ça, t'es là, tu fais « Oh merde, oh, c'est par là. » Tu toujours pas. T'as le droit, t'es pas obligé de faire « Oh, tu vois, j'ai oublié mes clés, moi. » T'es pas obligé. Là. Et moi, j'ai un pote, il fait ça souvent, il est très très distrait. Un jour, il a fait un truc débile, mais vraiment débile. Donc il me l'a raconté. Donc il m'a dit « Surtout, je compte sur toi, tu mets pas dans ton spectacle. » Donc, il descendait d'un rendez-vous avec son casque sous le bras. Donc, il dit casque, dit automatiquement moto ou scooter, hein. Ou voiture, mais il faudrait vraiment être con, il est juste distrait. Bon. Bref, il part en direction de son scooter, à trois roues, hein. Je ne lui parle plus. Et donc, je ne sais pas où il était perché ce jour-là, je ne sais pas du tout, tu vois. Il passe devant une bouche de métro, et il descend. Tout biré, comme ça, il est là, comme ça. Toujours avec son casque sous le bras. Et donc, arrivé en bas des marches, c'est là qu'il a réalisé qu'il n'avait rien à faire ici, puisque son scooter était garé beaucoup plus haut. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti son téléphone, il a fait « Allô ? Ah, attends, je te capte pas. Attends, je ressors. » Pourquoi? Vous pensez sincèrement, s'il s'était retourné comme ça, naturellement, il y a deux vigiles qui l'auraient attendu à la sortie, qui auraient fait « Hop, 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 qu'est-ce que tu fais, là ?»« Ah non, t'étais parti pour prendre le métro, tu prends le métro, hein ?» Alors on est à Paris, si on n'a pas le droit de changer d'avis, c'est comme ça. Hein. Non mais on est tous un petit peu pareil. Hein, quand on, vous savez, quand on se casse la gueule dans la rue, par exemple. Ça arrive. Hein, tu rates le trottoir, tu marches, tu tombes. On se relève très vite. En même temps, on n'a aucune raison de rester un quart d'heure allongé par terre, tu vois. Et on regarde systématiquement si quelqu'un nous a gaulé. Toujours avec le petit rictus comme ça. C'est marrant ça! Un moment que j'aime bien aussi, c'est quand on se prend un poteau en pleine poire. Tu sais, tu dis bonjour à un pote. Hey! Boum!
Et c'est là qu'on se rend compte que le mental de l'être humain est formidable. Parce que quand ça nous arrive, chez nous, de nous manger avec le petit orteil, le coin de la grosse commode, hein, on s'effondre comme une merde, hein. Hein, on souffre, on agonise, on voudrait mourir, tu vois. On insulte la terre entière jusqu'à notre propre mère, la putain enculé de sa mère, la salope, le bordel de cul. Alors que dans la rue, on repart dans la douleur, dans la souffrance, mais digne. Un autre moment de solitude que j'aime bien aussi, c'est, vous savez, quand on sort en groupe, qu'on va au cinéma ou au resto ou au théâtre, hein, peut-être que ce soir il y a des gens qui sont venus en groupe, donc à la fin du spectacle, bon, ben, vous allez vous retrouver dehors, vous allez échanger quelques mots, c'était formidable, enfin, coulez, on s'en fout, hein. Et vient forcément le moment où on se dit au revoir, donc t'es là comme ça, bon, salut, bisous, bisous, on se fait ça bientôt, bisous. Et on s'en va, on part comme ça, et on part tous dans la même direction. Et là, on n'ose plus parler puisqu'on s'est déjà dit au revoir. On se sent compte. Là. Des fois, ça peut durer super longtemps. Hein, ouais. Bah, jusqu'à chez toi, c'est ta copine, tu l'as pas reconnue. Oh merde, hein, t'as... Un autre aussi que j'ai vécu dernièrement, c'était au cinéma. Je faisais la queue dans un grand cinoge comme ça pour obtenir mon petit ticket d'entrée. Et ah oui, t'as d'ailleurs, moi j'étais poliment, vous savez, quand on fait une file d'attente, comme ça, poliment derrière la personne qui était devant moi. Et il y avait une personne qui était censée faire la queue derrière, mais qui la faisait à côté. Vous voyez ce genre de personne? Tu sais, il ne peut pas être là, il est là comme ça. C'est bien. Mais pourquoi? Tu sais, le mec certainement persuadé qu'il va gagner 2 secondes. Hein, tu vois, oh, j'ai envie de lui dire, mais dis donc, mais tu sais que tu vas gagner 2 secondes. Hein, mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ce temps, hein? Des projets, des voyages? Dis-moi! J'ai envie de savoir, tu vois. Bon, le mec, j'ai laissé passer, il était content. Bref, c'est pas là où je voulais en venir. C'est que vous savez, dans ces grands cinémas, il y a toujours des grandes portes comme ça, vitrées, énormes, comme ça, avec une qui est fermée. Et l'autre, qui est ouverte. Ah, les deux fermées, ça s'appelle un mur, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, sur celle qui est ouverte, les mecs sont sympas, ils nous ont dit ce qu'il fallait qu'on fasse. Pousser. Et donc là, je vous jure, il y a au moins 4-5 mecs qui ont fait le même truc, ils arrivent comme ça. Ils prennent la bonne, ils tirent. Boum ! Ça ne marche pas. Donc là, je dis, hey, ça n'a pas marché la première fois, je retire. Boum ! Ça ne marche toujours pas, évidemment. Donc là, il se dit, bon, je ne vais pas passer pour une truffe plus longtemps, je change de porte. Donc là, il fait du bruit, évidemment, tout le monde le regarde. Hein ? Et au bout de 10 bonnes minutes, le mec, là, il percute, et donc, on fait tous pareil, on fait comme... Le petit rictus, ça me fait marrer, ça. Non, mais ceci dit, le meilleur, pour moi, des moments de solitude, ou le pire, hein, ça dépend de quel côté tu te situes, ça reste quand même quand tu croises une vieille copine de lycée dans la rue, que tu te souviens plus du tout de son prénom, alors qu'elle, elle se souvient parfaitement de toi. Ça, c'est le drame de la vie, de ma vie. Hein. Je veux dire, je suis pas physionomiste, je sais pas si y en a qui sont comme moi. En plus, c'est super vexant pour cette personne-là. C'est vrai, elle est super fière de te reconnaître. Oh, c'est pas vrai ? Yannick ? Bah, 3e C, lycée Berthelot, on avait même choisi un prof de maths ! Ah ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux pas vexer ? Tu veux pas lui dire, ah ben non, je suis désolé, je vois pas. Pourtant, ton strabisme, je devrais m'en souvenir, mais Donc du coup, tu dis rien. Et plus le temps passe, plus tu t'enfonces. Donc moi, j'ai développé une technique, avec le temps, j'étais obligé, hein, tu vois. Donc je vous la donne. Très simple. Elle consiste à lancer un prénom au hasard, en ayant l'air super sûr de soi. Donc ça donne ça, la fille arrive, elle fait « Oh, c'est pas vrai, Yannick !» Je fais « Oh, Julie !» Elle fait « Ah non, moi c'est Carole !»« Ah non, pardon, autant pour moi !» J'ai dit « Julie, autant pour moi, j'ai l'absucé !» Et comme ça, t'as le truc. Mais là où j'aimerais vraiment arriver à faire aller encore plus loin dans cette technique, j'aimerais vraiment, mais vraiment, vous voyez, là je vous donne le petit truc, c'est avoir l'air tellement sûr de moi, tellement confiant, et avoir un tel pouvoir de persuasion que j'arrive à faire douter la personne qui est en face. Là, tu tutoies les étoiles, tu vois. Parce que là, c'est autre chose. La fille arrive, elle fait « Oh, c'est pas vrai, Yannick !» Je fais « Oh, Julie !» Elle fait « Ah non, moi, c'est Carole !» « Ah non, moi, c'est Julie !» Non, en fait, c'est... Carole ? Julie. Bravo, quelle mémoire. Je suis désolé. C'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Et là, j'imagine après la fille, c'est partant comme ça, appelant sa mère, c'est « Allô, maman ?
Mais tu te souvenais que je m'appelais Julie, toi ? Yannick est attendu pour son sketch à destination de Dallas, qu'on attend depuis 5 minutes. Merci. Ah oui. C'est vrai qu'au départ, j'étais quand même parti pour Dallas. Hein. Là, ça fait 5 bonnes minutes que je parle de tout et n'importe quoi. Bon, bref, je reprends le fil de l'histoire. Donc j'arrive à l'aéroport, j'embarque pour Dallas, j'enregistre, enfin je fais tout mon truc. Et donc vous savez comment ça se passe ? Une fois que tout le monde est bien installé dans l'avion, il y a toujours le petit mot du commandant. Bonjour, bienvenue à bord, je suis le commandant Chkoumoun. Et là, on a pour habitude, c'est vrai, d'entendre une voix d'homme. Et là, pour la première fois de ma vie, j'entends une voix de femme. Mais pourquoi pas, hein ? Et laissez-moi vous dire que j'ai été très surpris et extrêmement déçu, hein, de l'attitude de tous les autres passagers qui se sont mis à faire le signe de croix, comme ça, là. Enfin, un petit peu de respect, donc là j'ai pris votre défense, hein, mesdames, j'ai dit, hop, hop, on va où, là ? On va où, les gars ? Hein ? Et la parité ? Et l'égalité des sexes ? Hein ? Et puis j'ai essayé de positiver, je sais pas, moi, l'avantage en avion, c'est qu'il y a quand même rarement des créneaux à faire. Ça a rassuré tout le monde. Donc ensuite, on a décollé. Donc après 2-3 tours de piste, comme ça. On a décollé pas très rapidement, hein, en première, j'imagine. On a quand même évité la tour de contrôle, et là, ça a mis tout le monde d'accord. Ah. Ensuite, bon, le vol s'est très très bien passé. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu 2 ou 3 à-coups un peu secs, hein, histoire d'éviter les quelques avions qui arrivent en face. Mais globalement, très bien. D'ailleurs, on n'a pas volé vite non plus, hein, faut être honnête. On a volé sécu. Okay. Alors, à un moment donné, on s'est fait doubler par une cigogne qui était morte de rire. Hein. Je tenais les côtes comme ça. Elle a failli se casser la gueule. Très dangereux de voler en se tenant les côtes, je le déconseille. Et finalement, on a quand même fini par atterrir à Montréal, au Québec. Bon, ce qui ne m'arrangeait pas spécialement dans la mesure où j'allais à Dallas, mais on était sains et saufs. Et vous savez, à sa décharge, lire une carte routière, c'est déjà pas évident. Alors, tout en pilotant un avion, un petit peu de respect. Hein. Et puis, tout le monde ne peut pas avoir le sens de l'orientation, c'est comme ça. Mais bon, ceci dit, moi, je suis un garçon assez positif et j'ai profité de ce changement de programme inopiné pour m'en aller visiter cette ville magnifique de Montréal que je ne connaissais pas. Il y en a qui sont déjà allés à Montréal ? Ouais, c'est chouette, hein. Enfin, je veux dire, c'est sympa, tu vois. Et d'ailleurs, quelle est la première chose qu'on fait quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, où personne ne nous connaît et où on connaît personne ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va aux zoos. C'est une idée, hein ? On va aux zoos, d'accord, ok, non ? Non, enfin, c'est idiot quand même comme truc. Qu'est-ce qu'est la première chose que vous avez envie de faire quand vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, où personne ne vous connaît ? Pharmacie. Pharmacie ? C'est ça que j'ai entendu ? Putain, vous êtes quoi ? Mais vous manquez d'imagination ! Mais non, mais on connaît personne, personne ne nous connaît ! On en profite pour assouvir nos fantasmes les plus fous dans un total anonymat. Eh, j'avais fait ça une fois à Mulhouse ! Donc bon, je suis allé sur Internet, sur le site bien connu assouvir mes fantasmes les plus fous dans un total anonymat.com et j'ai opté pour une soirée libertine. Bon, une partie fine. Bon, une orgie, quoi. Et je vous cache pas qu'au début, je flippais un petit peu, parce que moi, j'avais jamais fait l'amour à la québécoise. Oui, je me disais, peut-être qu'il y a des codes qu'on connaît pas. Déjà, il faut savoir qu'ils parlent la même langue, d'accord ? Mais c'est pas tout à fait les mêmes expressions. Hein, y en a certaines qui sont très chantantes. Une, d'ailleurs, dont je me souviens, qui disait ceci. « Fourzi-moi donc dans le péteux !» Ah, c'est fleuri, hein, tu vois, qu'on pourrait traduire en français par « clafoutis », je crois. Bref, je vous raconte. Donc, j'arrive dans la soirée. Et là, il y avait une piste de danse, et au milieu de la piste de danse, il y avait une danseuse magnifique, superbe, vraiment d'une beauté, je vous jure, c'était extraordinaire. Et là, je me suis dit, écoute, Yannick, profite-en pour assouvir le premier de tes fantasmes les plus fous, à savoir faire l'amour avec une danseuse. C'est vrai que c'est super excitant, vous imaginez toutes les positions possibles, les mecs. Par contre, il faut être sur le coup, ça bouge pas mal. Hein. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est sportif, enfin, il faut le savoir. Et alors que je pensais ne connaître personne dans cette soirée, sur qui je tombe en promenant au milieu des gens tenus, une amie d'enfance que j'avais perdue depuis 15 ans. Sophie ? Oh, c'est pas vrai, Sophie, mais qu'est-ce que tu fais là ? Hein ? Ah non, mais si je m'attendais à ça, mais dis-moi, il y a longtemps que t'es arrivé parce que je vois que tu connais du monde, c'est pour ça. Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ?
Ah, monsieur, est-ce que vous êtes vu en dessous? Je te dérange peut-être là, non? Non, bah alors dis-moi toi, qu'est-ce que tu deviens? Hein? Toujours institutrice? Directrice? Écoute, Et t'as deux enfants, c'est pas vrai, quel âge? 4 ans et 7 ans. Bah, c'est génial, dis donc. Bah, peut-être qu'ils sont venus avec toi ce soir, non? Que je suis bête, oh là là. Demain, il y a école. N'importe quoi. Ah, qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh! Non, il s'en va pas ou quoi, là? Non, mais. C'est pas open bar, mon pote. Attends, mais, non, mais t'as vu de la lumière? Non, mais alors pourquoi t'es rentré? Attention la prochaine fois. Il fait mal en plus. Hein? Ah non, non, ça me dérange pas, y'a pas de problème, vas-y, vas-y, je t'en prie. Bon. Ami d'enfance, vous vous rendez compte, c'est dingue. Hein. M'attendez. Oh, on s'est connu comme ça. Tourné partout. Ah mais je l'ai reconnu tout de suite. Hein. Ouais, elle n'a pas changé. Ah, je dirais, elle a grandi. Je me souviens quand elle était petite, elle me disait toujours ouais, quand on sera grand, nanana. Elle avait compris ce que ça voulait dire. Ouais. Ça fait des souvenirs. Et ton mari, sinon? Ton mari? Hein? Elle comprend pas. À la maison, avec des enfants? Bah, c'est bien, ça l'occupe. Pardon? Ah, on tourne? Ah, c'est marrant, comme je... à chaque fois que la musique s'arrête, alors. Oh, mais d'accord, pas de problème, lâche-moi. Bon, bah, excusez-moi, je prends votre place, hein. C'est le jeu. Pardon? Sophie, si tu me cherches, je suis derrière, hein. Et bon, au bout d'un moment, j'ai eu un petit coup de barre, enfin un coup de mou pour le coup. Je dis, bon ben, Sophie, je vais terminer avec les amis, on s'appelle, hein. Je t'embrasse pas, hein, tu colles un peu. Ah, vous aussi, vous trouvez ça dégoûtant, on est bien d'accord. Mais laissez-moi vous dire que je garde un très très bon souvenir de cette soirée. C'est convivial, c'est sympa. Et puis vous savez, il n'y a pas de compétition entre les mecs pour savoir qui a la plus grosse. Ah, sinon j'aurais fini deuxième. Non, vraiment, c'est sympa. D'ailleurs, je garde un très très bon souvenir de ce peuple québécois. C'est vrai, hein. Ceux qui sont déjà allés au Québec, vous ne pourrez pas me contredire, tu verras jamais un Québécois faire la gueule. Ils sont toujours contents là-bas, les mecs. Tout le temps, c'est vrai, c'est extraordinaire. Les mecs, ils ont moins 40 l'hiver, ils sont contents. Ils sont, ouais, il fait moins 40, ils sont contents comme ça. T'arrives en France, oh putain, fais chier, il fait 10, enculé, merde. Ouais. C'est pas la même ambiance, tu vois. C'est... Là-bas, ils sont tout le temps en train de faire des blagues, enfin des jokes, hein, comme on dit. C'est bien simple, moi je suis rentré en France en me disant, mais c'est le pays de l'humour. D'ailleurs, rien que leur accent, c'est de l'humour. Ah oui, on parle pas comme ça si c'était pour faire rire les gens, c'est clair. Non, mais, et puis, il y a des shows humoristiques à tous les coins de rue. D'ailleurs, la forme d'humour la plus répandue là-bas, c'est le stand-up. Et pour moi, c'était une véritable révélation. Je sais pas s'il y en a qui connaissent plus ou moins le stand-up. Ça a été importé en France, là. Bon, c'est pas pareil que là-bas, mais bon, ça a été importé. Le principe, c'est de faire un maximum de vannes, toujours avec un micro. Hein, c'est là-bas, c'est le stand-up, tout ça. Et c'est vrai que là-bas, les Américains, ils ont la classe. Ah, ils tapent sur des sujets, ça fait mal, hein. Ah, ça saigne. En même temps, ils peuvent taper sur tout le monde, hein. Les juifs, les islamistes, les catholiques, les nains, les handicapés, même les pédophiles. Oh, c'est génial. C'est... Oh, non, mais en France, je veux dire, tu fais un sketch sur un pédophile, tout de suite, tu reçois un courrier du ministère de la Culture. Je veux dire, c'est pas... Non, c'est pas la même ambiance. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas pareil, tu vois. Et du coup, là-bas, c'est vrai que les mecs, ils... Donc, c'est plus édulcoré. Édulcoré. Bon, ça n'existe pas, ce mot. Édulcoré, chez nous, tu vois, c'est ça. D'ailleurs, quand je suis rentré du Québec, il y a des mecs qui m'ont dit, une émission de télé qui voulait m'embaucher en me disant, hey, maintenant que tu fais du stand-up à l'américaine ou tu y vas à fond, fais-nous un truc engagé, tu vois, pour chauffer l'émission. Je fais, ok, génial, je vais faire un sketch sur l'espérance de vie d'un homosexuel au Pakistan dans les années 70. Ah non, 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 non. Fais plutôt ton sketch sur le suppos, c'est drôle ça. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu plus... bas de gamme, mais bon, ça me tenait à cœur quand même de terminer ce spectacle avec un stand-up, donc on va le faire, hein, on va le faire. En revanche,
préviens tout de suite, je me désolidarise complètement de tout ce que je vais dire derrière. C'est pas moi qui ai écrit, hein, je préfère vous le dire tout de suite. J'ai mis les 15 meilleurs auteurs de la place de Paris en matière de stand-up, YouTube, Google et autres humour.com. Donc je me désolidarise. Donc ce soir, vous êtes à peu près, je vais dire, allez, vous êtes 160. Hein. Donnez-moi l'illusion d'être au moins 162, 163. Hein, je compte sur vous. On se fait un stand-up à l'américaine, mais francisé. Hein, donc un petit peu plus bas de gamme. Alors attention, je sors, je compte sur vous. Hein, on y va, attention. Donc ça se passe toujours comme ça, il y a toujours une annonce. Hein. Oh, je suis un petit peu ému. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ladies and gentlemen, je vous demande de faire un triomphe à Mister Yannick. Alors, soyez pas surpris, hein, je vais rire de mes propres vannes. Est-ce que vous savez pourquoi les puces n'ont pas de couilles ? Pas la place ? En même temps, je vous avais prévenu, hein, faut pas les mecs surpris. Alors, en tout cas, je suis très très content d'être avec vous ce soir. Big up. C'est vrai, il y a des gens de tous les horizons. Il y a des blancs, des noirs, des jaunes. Il y a même des moches. Ça va, tu te sens pas seul ? Alors évidemment, je vous donne le petit truc. Volontairement, je fais une personne qui n'est pas moche, pour éviter de blesser gratuitement. Hein, c'est le petit truc, hein, c'est pour ça que je t'ai pas choisi, toi. Bon, enfin, en tout cas, l'autre jour, j'avais fait à cuisiner, ma femme me dit, tu sais très bien que j'aime pas le steak trop saignant. Et moi, je me plains quand t'as tes règles. Trop fort. Elle me dit, la voiture a une fuite. Qu'est-ce que je fasse? Comme pour sa mère, que j'y mette une couche? Je me kiffe. Elle me dit, mais attends, mais t'as rien remarqué, je fais remarquer quoi? Ben, j'ai changé de coiffure. Ben, t'aurais mieux fait de changer de gueule. Affligeant, n'est-ce pas, hein? Voilà un petit florilège de ce qui se pratique de mieux aujourd'hui en matière de stand-up sur la place de Paris. Alors bon, un stand-up, évidemment, ça se commence, donc ça se termine. Hein. Donc je vais vous donner une petite phrase magique pour toutes celles et ceux qui voudraient s'essayer à cet art noble du stand-up. Toujours terminer son show par le fameux « Merci, c'est tout pour moi, c'était Yannick, bonsoir ». Alors, évidemment, si tu t'appelles pas Yannick, tu changes de prénom. Hein, sinon, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Et du coup, c'est un truc que je pratique surtout avec ma copine avant de me retirer. Je lui dis toujours « Merci, c'est tout pour moi, c'était Yannick, bonsoir ». Avant de venir ou quoi? Alors là, je me permets d'anticiper sur le rappel. Voilà, ça m'évite de passer pour un con quand il n'y en est pas. Ah, parce que souvent les artistes sont là, vous en voulez encore? Non, rentre chez toi, connard! Oh. Non, je ne le demande plus, hein, c'est pour ça. Je le prends en otage. Vous n'avez pas soif? Alors là, je souhaitais terminer ce spectacle par une petite chanson musicale de ma composition. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est une chanson d'amour. C'est d'ailleurs la toute première chanson d'amour que j'ai écrite. Après, évidemment, j'ai arrêté d'écrire. C'est une chanson que j'ai écrite pour une fille avec qui j'ai vécu une histoire formidable. Vraiment, je l'ai aimée très très fort de tout mon cœur. Et
Comme il paraît qu'on aime qu'une fois et que ça m'est déjà arrivé, ça me fait un petit peu chier, mais bon. Surtout que c'était une fille vraiment formidable, elle était d'une beauté hallucinante. Je la revois encore, je l'oublierai jamais. Elle s'appelait... Comment elle s'appelait? Émotion. C'est pas comme un trop, non hein? C'est moi qui l'ai inventé. Alors vous allez un petit peu impressionné, faut pas. Hein? C'est très facile à faire. Je vais vous donner le truc, comme ça vous pourrez le refaire chez vous, épater vos amis, votre famille, tout ça. Alors en fait, c'est quoi? C'est trois accords majeurs enchaînés, sol, ré, do, avec addition de la seconde et de la neuvième. Alors ce qui peut impressionner, c'est peut-être les arpèges et le côté rythmique ou mélodique, mais bon. Avec un petit peu d'entraînement, vous pouvez tous y arriver. Hein. Bon, toi, il faut t'entraîner un petit peu plus que les autres. Hein. Non, je plaisante, je plaisante. Toi, tu n'y arriveras jamais. Non, je la refais pour toi. Pour toi. Émotion. Thierry, tu pourrais me faire une petite ambiance émotion, complètement improvisée, s'il te plaît? Putain. Improvise. Comme on la répète, c'est bien. Émotion. Comme deux ronds blancs, avec un point noir au milieu. Tes seins sont comme deux poches de chair, avec un point noir au milieu. Ton nez comme un delta plane, avec un point noir au milieu. Tes cheveux sont comme un nid douillet, ou les jolis oiseaux. Couche des œufs. Instrumental. Ne partez pas. Tes lèvres sont comme de la peau, mais en vachement plus rouge. Rouge comme le dedans de ta bouche. Mais c'est pas grave, tes dents sont blanches, blanches comme les blés. Tes pieds sont comme des nains, mais en moins bien. Et pour finir ce brin de poésie, ton sourire, c'est-à-dire tes lèvres rouges accompagnées de tes dents blanches, me rappelle la voiture de Starsky. Solo. Je vous aime. Bon, là je vais parler. J'aimerais qu'on vive tous les deux d'amour et d'eau tiède. Oui, parce que l'eau fraîche, ça fait trop mal aux dents, c'est pour ça. Mais... ça n'engage que moi. Tes fesses ont beaucoup de chance, tu sais. Parce qu'elles sont deux. Et quand je regarde plus près, j'y vois un point noir au milieu. Tes yeux sont comme deux ronds blancs, avec un point noir au milieu. Tes seins sont comme deux poches de chair, avec un point noir au milieu. Ton nez comme un delta plane, avec un point noir au milieu. Ton sourire, c'est-à-dire tes lèvres rouges, accompagnées de tes dents blanches. Me rappelle la voiture de
the weather.